Bonjour, je m'appelle Jeanne-Hortense Ensi, directrice du pôle formation et administratrice chez Francophonie sans frontières, en abrégé FSF. Lors de cette courte vidéo de présentation, nous allons vous faire découvrir le pôle formation et son offre et aborder le volet de la lutte contre la désinformation. Le pôle formation a été créé en 2023. Il a pour mission principale de soutenir et d'outiller nos bénévoles engagés dans les initiatives et les projets en lien avec les besoins de la société civile en vue de leur satisfaction et au-delà. Son objectif global est de connecter les ressources et les expertises afin de créer une culture commune, renforcer la collaboration, tirer profit de l'intelligence collective et améliorer l'espérance de bénévolat des membres de l'organisation. Notre offre de formation couvre, entre autres, des thèmes tels que la sensibilisation sur la francophonie, ses valeurs, ses interactions avec la société civile ou la présentation de l'association FSF, sa raison d'être qui est « Ensemble, créons des liens durables pour la francophonie, son ancrage et son engagement pour une société civile soudée, solidaire, inclusive et agissante » ou aussi « La gestion de projets pour transformer vos idées en réalité ». Les sessions de formation s'articulent spécifiquement autour de retours d'expérience, de partage de bonnes pratiques et de connaissances théoriques. Nous vous offrons une boîte à outils et des fiches techniques dans les différents thèmes dispensés lors des sessions de formation. Ce thème il est important car il construit un véritable enjeu démocratique et sociétal dans l'espace francophone. Il est donc essentiel et permet d'acquérir des compétences importantes à la matière. Donc la session Tous lutter contre la désinformation vise à sensibiliser et à vous doter de compétences nécessaires pour lutter efficacement contre ce fléau dans notre espace, celui de l'espace francophone. Elle attire dans notre attention sur les désordres informationnels et sur la nécessité de les combattre à travers une éducation aux médias et à l'information pour tous, par tous et partout. Lors de cette session qui se déroulera en ligne, en deux sessions d'une heure 30 minutes chacune, nous aborderons trois points principaux de la question. Le premier étant comprendre les désordres informationnels. Le second, maîtriser les outils et les méthodes pour évaluer la crédibilité et la véracité d'une information. Et le troisième, les stratégies. On verra les stratégies pour comprendre la désinformation. Vous allez donc suivre une formation qui vous permettra d'acquérir les fondamentaux de la lutte contre la désinformation et plus particulièrement comprendre les enjeux de la désinformation, des désordres informationnels de manière générale dans l'espace francophone. Comprendre la notion d'esprit critique qui est très importante, connaître les biais qui nuisent à la mise en place de l'esprit critique et connaître comment vérifier une information de manière pratique soit avec son téléphone, soit avec votre ordinateur. Et enfin, apprendre à repérer et à contrer les informations quand on apprend à réagir. Donc on verra les types des formats, les projets et comment peuvent être complémentarisés pour pouvoir lutter contre les informations à notre niveau et dans notre communauté à travers l'éducation des dernières informations. Cette session est donc ouverte à tous les correspondants et membres de l'association Francophonie sans frontières. Vous n'avez donc besoin d'aucun prérequis pour participer à cette session de formation. Pour nous rejoindre, suivre nos actualités ou s'inscrire à une session de formation, consultez notre site web ou écrivez-nous. À très bientôt.